Attention, pour monter dans les bateaux, il faut monter en avant à côté de la cabine selon Omega qui a fait selon moi Omega et Crow qu'on fait des tests tout à l'heure. Enfin, il me semble que c'était Crow, je sais plus, ou Ouais. Omega. Donc apparemment, si vous pouvez pas monter depuis la rive, il faudra monter depuis la cabine. Concernant le camp, on va tous passer en civil à partir de maintenant. Donc je vais faire spawn la base civile à côté. User joined your channel. Ouais. Alors, c'est plus, Ouais. tu peux revenir, je suis en train de faire le brief. Ok. Attention. Bon. Voilà, donc comme vous êtes tous en civil, comment ça va se jouer? Vous êtes tous en civil, si à un instant quelconque vous sortez vos armes, même si c'est un misclic, vous repassez automatiquement en blue fort. Alors quand vous êtes en blue fort, ça veut dire que vous allez être en infiltration. Donc si vous sortez une de vos armes sans le vouloir et qui un op fort le voit, et ça va donc l'alerter, et évidemment ça va commencer à tirer partout, la mission sera donc un carnage dans les 2 minutes qui vont suivre, quoi. Donc afin d'éviter ça, je vous demanderai d'éviter de sortir vos armes. Pour ça, les deux bateaux sont équipés de pistolets mitrailleurs et pistolets automatiques. Donc quand vous monterez dans les bateaux, dans chacun des inventaires, vous aurez donc un pistolet, enfin vous aurez un Uzi ou un Scorpion russe ou un truc comme ça. Vous pourrez prendre avec un ou deux chargeurs en fonction de des vêtements que vous avez pris, leur capacité, machin. Essayez d'être raisonnable. Vous avez aussi une caisse de munitions qui se trouve dans la ville que vous pourrez aller loot un peu plus tard, enfin que vous devrez aller loot dans tous les cas. La mission se passera de nuit, alors je vais vous montrer comment il va être le temps. Ça va être une nuit comme ça. Ouais, une nuit qui est un peu éclairée quand même, comme vous pouvez voir. Donc vous y verrez quelque chose. Vous imaginez que vous avez beaucoup de lampadaires dans la ville. Je remets toujours pour le mec qui se stuff derrière. Merci. Je remets le jour. Donc, je vais juste passer tous en canne à écran si vous pouvez. Comme ça, je vous mets votre point d'insertion sur la carte. Vous allez remonter la rive en courant jusqu'à atteindre le User port disconnected qui se from your trouve un peu channel. plus haut, le port de Faucha. Port de Faucha qui se trouve par là. Une fois que vous aurez atteint le port de Faucha, vous aurez en fait quatre objectifs principaux hein, à accomplir. Le premier objectif, ça sera de trouver la caisse de munitions qui est dans la zone bleue, qui se trouve dans une scierie. Alors il faudra fouiller un peu la scierie pour trouver la caisse de munitions. La caisse de munitions contient quelques lanceurs, une réplique principale et évidemment des bouchons d'oreilles si vous n'en avez pas. Donc d'où l'intérêt de ne pas attirer l'attention avant d'avoir la caisse de munitions. Il y a aussi un sac dans la caisse de munitions, donc pour peut-être transporter fusil d'assaut ou le lanceur ou je sais pas, enfin comme vous voulez. J'autorise un joueur à prendre un sac qui fait un peu civil, de préférence là maintenant tout de suite. Si personne veut en prendre un, bah tant pis. Donc histoire de transporter le lanceur, bien entendu. Dès que vous aurez trouvé la caisse de munitions, donc vous stuffez un peu plus machin, il y aura également des charges explosives. Donc les charges explosives, elles sont réglables uniquement par temps. Donc ça, je laisserai un joueur intelligent régler le temps, sachant que dès qu'après la première charge explosive pètera, dans la vie, ça sera le chaos total. Donc les civils courront dans tous les sens. Il y aura peut-être un peu plus de patrouilles que ce que vous rencontrerez. Et donc vos deux objectifs. Comment dire que vous devez accomplir une fois avoir trouvé la cache d'armes, c'est dans un premier temps, enfin ça vous décidez vous-même, vous devrez aller piéger donc un stock de véhicules de secours, donc il y a User 2 ou 3 left your véhicules channel. sur un parking, le but du jeu c'est de les piéger, de les faire User exploser. joined your channel. Donc pour ça ils sont gardés par un petit commando, alors quand je dis commando c'est des mecs avec un béret, hein, c'est juste de la milice quoi. Ils sont gardés par des miliciens, donc ça je vous laisserai faire votre approche comme vous voudrez. Et il y a une position d'otage qui se trouve plus au sud de la ville. Cette position otage, il y a à peu près un groupe, on va dire à peu près 5 otages dedans. Donc ils sont évidemment en mode captif, donc ils ont les mains dans le dos ou ils ont les mains sur la tête. Évitez de leur tirer dessus, ça serait un peu ballot Ça va, pour ça? l'avenir de la mission. Ils sont également gardés, hein, donc voilà, Bien. vous aurez tout le matos nécessaire pour accomplir ça. Et donc pour finir, il faudra saboter la fête. Alors qu'est-ce que j'entends par saboter la fête? Quand vous vous baladerez en ville, oui ça va, ça Mickaël.
Vous baladerez en ville, vous aurez en fait, vous regarderez, vous irez dans un Oural, hein, quand vous arriverez en fait au port. C'est quoi le canal? Canal 100, canal Caen, quand vous arriverez sur le port, en fait, vous aurez un Oural bleu. Cet Oural bleu, en fait, il sera pour vous. Vous aurez aussi 2-3 véhicules à côté. Mais ces véhicules-là, je vous demanderai de ne pas les prendre, d'essayer de tous rentrer dans le Oural bleu. Ça sera le but, en fait. Donc, quand vous irez en Oural, vous devrez vous balader un peu dans la ville pour vous rendre à la Syrie. Quand vous vous rendrez à la Syrie, vous essaierez de regarder les environs pour voir s'il n'y a pas des choses intéressantes à faire péter. Quitte à ce que ce soit des grosses maisons pour bien semer la zizanie quand vous vous barrez, bah tant pis, hein, les pertes civiles dans cette mission sont acceptables, mais pas les otages. Alors quand je dis acceptable, c'est-à-dire que pour saboter la fête, si vous faites péter une maison civile, bah voilà, tant pis, hein. Après tout, le contexte, c'est que c'est un village qui est occupé et qu'évidemment il y a des collabos partout, donc dites-vous qu'il n'y a pas de civils, il n'y a que des collabos. Voilà, est-ce que vous avez des questions? Négatif. Bon, du coup, je vais mettre la nuit. C'est bon, tout le monde est sur le serveur, personne n'a besoin de respawn, Ouais, je personne n'a demande besoin. juste 30 petites secondes. On monte, on monte. Comment t'es monté, monsieur la moumoute? Regardez. Ah, c'est bon, je l'ai! Oui. Ah ouais, moi aussi j'ai. Je crois que je suis le capitaine du bateau là. Non, non, Ah non, non, c'est moi moi aussi. aussi. Regarde bien notre site, toi. La position, je suis accoudé avec le petit ventre bedonnant. Putain, c'est un bon pêcheur, ça. Y en a un qui galère, celui qui galère, essaie de te mettre sur la gauche. Essaie de pas regarder le bateau pour monter. Qu'est-ce que tout le monde est à bord, hein? Alors le conducteur du deuxième bateau, tu feras gaffe parce que il est très très dur à faire arrêter ou faire demi-tour. Donc si tu te plantes, j'y peux rien. On peut changer de bateau tout de suite? Je le sens pas, il a éteint les lumières, putain. Non. Ça sent l'enfoiré, tu sais. À droite, vire plus à droite parce que ça va être vraiment vraiment juste. Qui conduit là sur notre bateau? À bâbord, toutes! Hé! Hey, le C'est conducteur! tribord, hein! C'est qui Il faut avoir des conducteur? morts avant de commencer. Y'a qui sur mon bateau là? Mais répondez! Pourquoi l'équipage de mon bateau ne répond pas quand C'est Jarius qui pilote. Ah, merci! Ils sont déjà tous morts, c'est. Attention au rocher. Par contre, si tu pouvais rallumer pilote, je vois rien. Bon, on peut changer de bateau, genre j'ai pas confiance en ce mec. On peut prier, ouais. Comment t'es positionné, Ok, hein, genre ils toi? vont pas tarder à passer sous le pont, mais T'as vu, comme je je suis suis trop pas beau. éclairé, ça va être chaud, attention. Je suis pas mal non plus. Eh ouais. C'est ça. C'est bon, on est passé, on est passé. Qui est le premier bateau passé? On a arraché un peu de peinture, mais c'est passé. L'abîme pas trop, c'est à la paroisse, n'oublie pas. On fait attention, mon père. Ok, bon. En revanche, on peut pas se mettre sur le port, donc on va accoster sur le côté gauche. Donc, j'aurais juste dû te mettre sur le côté gauche, tout le monde descend, et bon, je les ports directement comme si on avait accosté. C'est bien, c'est un port où t'as pas le droit de mettre des bateaux. N'oubliez pas de prendre les armes dans le bateau et de pas les montrer à tout le monde.
Ah oui, mais alors quand je dis de se mettre à côté, c'est pas à côté. Les gars, quand on dit de se mettre à côté, je te pas littéralement. Hein. Putain, en fait, on va tous mourir. On veut mon marché déjà. Appuie sur avant, arrière. Oui. Attention, il y a des gens. Bonjour, messieurs. Ok, paye ta politesse. Hein. Ouais, je m'entends. Allez, chacun à l'arrière, vérifiez que vous n'avez pas oublié votre petite carte, votre petit GPS, votre petit goûter, hein, vos Mikado aussi. Faites attention qu'on vous ait pas volé. C'est pour les Mikado. Mon père, puis-je conduire, s'il vous plaît? Ok, il y a déjà un conducteur, là. Ah bon? Oui. Non, il y a personne. D'accord. Moi, je conduis. D'accord. Allez, on monte. Encore vous, Bricheur? Oui, c'est moi. Pourquoi t'es pas content de m'avoir? Non. On se calme les enfants, on touche pas au goûter des autres. Eh, hey, il a volé mes Mikado! Et tout le monde? Ouais, c'est bon, y'a tout le monde. Ok, Breacher. Oui. Tu vas suivre la route et tu prends la prochaine à droite. Ok. À toi sur la droite. Où y'a le. En marche arrière. Top. Une marche arrière rentre à côté du poteau cassé. C'est bon. Non, monte pas trop notre cul, cache-nous derrière la maison. Voilà, stop. Allez, on débarque. N'oubliez pas de replanquer vos armes, vite. Ok, les gars, on se regroupe. C'est bon, vous êtes tous là, on m'entend? Ouais. On va faire deux petits groupes. Il y a un groupe qui va s'occuper d'aller repérer un peu comment c'est la fête et se diriger vers la position des otages pour un petit repérage. Après, pour la deuxième équipe, ils iront voir la trouver la caisse de munitions, voir la zone et ainsi que les véhicules de secours. T'as pris les gars? C'est pris. Okay. Donc on fait deux petites escouades s'il vous plaît. Une à ma droite, une à ma gauche. Ici, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok, c'est parti. Vous faites un check-up radio. A chaque fois, vous avez vérifié le village, comment c'est à peu près, ou n'importe quel endroit. Après, les gars. Après. Okay. Il y a un sac. Là-bas, il y a un sac. Ok, c'est parti, les gars. Vous vous occupez de ce qui est repérer la fête et le position d'otage. Et vous, c'est munitions et véhicules de secours. Ici c'est, allez, on va dire Miguel qui valide. Et ici ce sera. Ah, c'est vraiment la. Pourquoi la musique de l'Eurovision? Ah non, j'ai rien vu ça. Ok, ben. C'est usant. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est la musique de l'Eurovision. Non, j'ai jamais vidé. Ok, bah vas-y Breacher. Je vais avec eux, moi. Allez, venez, on y va. Non. Tu vas checker caisse de munitions en repérage. Puis véhicule de secours. C'est excellent. Tu sais, c'est la musique là. Avec Gandalf là. Oui, enfin, sinon, attendez votre prête, les gars. De l'Eurovision. On attend mon père. Ouais, c'est pas ici, c'est où? Il est chaud, lui, il s'ambiance tout seul. Hein. Il y a quelqu'un qui est bizarre derrière. Allez, ah, les gars, on continue. Là, la fête. On va repérer un peu la fête, les mecs. On va à la place, tranquillement. C'est qui a les armes par ici? C'est dans la baraque, là. Ouais, on va pas faire gaffe, putain, y'a un tank. Ah, c'est celle-là, hein. Ah, c'est la grosse ambiance. Bonjour messieurs, ils sont où les invités? Pas là. Oh bah coupez pas la musique, c'est bon. On était bien entre nous. Y'a même pas de gâteau, un buffet, un truc, non? On est peut-être. Ouais, impeccable. C'était peut-être ça nous ramener. Mon père, y'a un collègue. Non, c'est la première fois.
parlerai ça. Après, nous on a trouvé où sont gardés les otages et ce qu'il y a devant c'est pas très beau à voir. C'est-à-dire ? On a un petit blindé. Au calme. On va se regrouper sur vous. Ok. Normalement il y a des lanceurs qu'on peut trouver. Oui, je pense aussi. Faut qu'on fasse une attaque coordonnée sur le nord et le sud. Russe. Blindé léger. BTR ? Ouais, dans le style. Ok. Vous êtes où à peu près ? On est exactement dans la Syrie, devant l'entrée. Il n'y avait personne dedans ? On a deux civils, mais apparemment notre tête les effraie. Il est pas gentil, c'est pas un souci. Non, mais c'est un blindé non occupé, on devrait. On pourrait peut-être le récupérer. La fête. Ah effectivement on a de quoi faire la fête dedans. Oh. Ok, personne touche à la caisse. Bon, dans les dents. Alors ce groupe. On est là. Oubliez pas qu'il y a les sacs pour mettre les lanceurs. Ok les gars, vous allez tous remettre à côté dans vos groupes là où vous y étiez. Vous regroupez comme il faut. Et les deux qui pionnent sur les rondins, ils sont avec moi. Ok, ceux qui ont trouvé la cache, vous vous occuperez de faire péter les véhicules. Donc en termes d'armes, vous allez prendre la Citar, ainsi que les charges explosives. Et n'oubliez pas vos bouches anti-bruit. Et nous, on s'occupera au nord. Donc au nord, on va essayer de récupérer peut-être le blindé. Que on verra s'il y a deux volontaires pour récupérer. Et on récupère le lanceur et le sac. Il y a aussi le blindé. Qui le blindé est juste là. Ouais, le sud. Ouais, sud, oui. C'est à côté de nous. Allô, donc, du notre côté, c'est qui veut prendre le lanceur ? Messia ? Ah, c'est Miguel qui l'a. Qui s'est tiré au fusil d'assaut, les mecs ? Il a le sac. Ouais. Il y a un sac de vampire en fait. Qui s'est tiré à quoi au fusil d'assaut ? Pourquoi ? Ouais, à la Citar. Tu veux que je prenne un AT4 ? Il est utilisé. Il y a des mecs méchants à l'entrée, non ? Sûrement, il y a un blindé. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'avoir l'AT et en plus le char. Pour être sûr au cas où s'il rate sa requête, on sait jamais. Bon, Castille. Oui. Tu prends la Citar avec les chargeurs. Oui. Donc, qui sont les volontaires pour aller dans le blindé là ? Ok, les gars, on se disperse, cachez-vous. Ah merde, donc militaire. On a deux militaires devant. Non, ça avait été des civils. Des civils. Ouais, ok, les gars, dépêchez-vous, récupérez ce qu'il y a dans la caisse. Ça. On se dépêche de vider la caisse, les gars. Le problème, c'est que si je ramasse la T4, il sera dans mon dos. Hein. Tu peux pas le mettre dans ton sac ? Non. Vas-y, Castille, tu prends fusil d'assaut. Ah, on peut pas mettre dans le sac. On peut pas les mettre dans le sac, les AT. Bah écoute, on les prend quand même. On prend quoi, Omega, nous ? C'est ceux qui vont dans le char. On garde nos mini-usines, juste ? Le sac ? Ouais. Le sac. Ok. Attends, il y a un sac, je le remets dedans, excuse-moi. Tu vois, ça le met pas dedans. Mais bon, on verra bien. Du coup, toi et moi, on sera là. Il faut deux personnes dans le tank, un conducteur et un tir au canon. Le tir au canon. Et Crow ? Tu vas être conducteur. Non, je vais en conduire, moi. Oui. Ouais, ouais. Du coup, je prends une arme, Omega, ou quoi ? Attends, c'est qui veut conduire ? Moi je viens. Prenez-en un ou deux. C'est Julien qui parle ? Oui, c'est Julien. On se rejoint à droite ? Maintenant, passez à droite et rejoignez la route principale. Ça va, la pas garder, hein. Y'a personne ? Rejoignez-nous. Tu restes là, Julien. Miguel, tu viens avec moi, on va aller voir un petit Rocco vite fait. Eh oh, y a du monde. On s'est un petit peu perdu là. Y aurait quelqu'un, s'il vous plaît, messieurs ? Y aurait-il quelqu'un ? Là, soldat. Non, c'est pas un soldat, c'est un. Bien sûr, on est un petit peu perdu dans la fête là. On trouve plus la sortie, on trouve pas les toilettes. Eh, hey, Khrouchtcheyev !
Y'a Khrouchtcheyev à l'intérieur. C'est beaucoup trop calme. Je t'en rends, mes gars, vous. Attendez. S'il vous plaît, monsieur, y'a du monde. Non, j'ai une porte ouverte. Y'a des caisses. Ok, les gars, rentrez dans le camp doucement. Tranquille, comme si vous étiez des civils. Rentrez pas tous d'un coup. Comment tu vas? Ça va bien? Oui. Yel, c'est le gars. Yel. Fais le gars, je regarde ce qu'il y a de trucs dedans. Bah oui, bah c'est ce que je faisais. Toi. Et on n'a pas les clés du blindé. Est-ce que tu te sens niqué? Affirme, on va essayer de trouver une autre solution. Patientez. Okay. Il reste l'alcool. L'alcool, c'est un bon moyen. Qui a envie de faire le kamikaze? Moi, c'est ma golf. Le breaker de Charlie. Près de la maison. Mais si, c'est pas armé ça. Bah, derrière la maison à gauche, là, il y en a un, je crois. On fait partie des deux côtés de la route, tranquillement. Breaker de Jarius. Ouais, c'est Breacher, mais ouais, je t'écoute. Il y a deux soldats au sud de la maison, entre au niveau des pavillons. Ok, c'est un avec une PKP et un qui fait sa ronde. Ils étaient statiques. Ah bon? À gauche, oui, je te dis, au sud. À gauche. Ah, ils ont des calaches. Ah ouais, ils ont des calaches. Ils doivent avoir des greux aussi. Il y en a un qui est devant nous là. Ouais, à droite là, à la forêt. Popov, c'est Popov les gars, tranquille. Non, donc, à je droite, connais là. Popov. Ouais, juste là. Il y en a un derrière un arbre. Putain, ils sont 4. Bah, ils doivent être plusieurs. Là, il nous manquerait juste un mode et ce serait tellement parfait. Étranglé. Ouais, mocap. Bon. À Calgar. Si on assaut sans les... en les ignorant, ils vont nous arriver dans notre bac. Peut-être chaud. Quelqu'un a une idée? Bah là, des gens vaudraient mieux attendre la fin de leur recours. Ouais. Ok, t'aventures pas pour le moment, essaye de revenir vers nous. On est revenu là où il y a le mec tout seul dans cette maison qui semble lancer comme un con. D'accord, par contre, je vois pas de personnel. Il y a le BTR et deux camions à l'arrière, mais pas de personnel pour l'instant. Et les portes, on les rouvertes sur les hangars. Bah, il y a deux options qui s'ouvrent à nous. Soit on tente de passer discrètement, j'ai dit bien on tente de passer discrètement par la brèche et on va voir pour sauver les civils discretos. Soit on déclenche le boxon ici, il y en a deux qui partent dans la brèche et de toute façon le BTR va bouger. Et il y en a deux qui se mettent à la brèche et dès que le boxon est fait, le BTR va sûrement bouger et là ils vont chercher les civils. Ouais, deux ouais je pense que... Ouais, je pense qu'on, ouais, qu'on rentre tous en mode fufu là dans les trucs sans sortir nos armes pour le moment. Parce qu'on peut quand même bien ça devient chaud. Sans que le BTR nous voit. Après, le BTR, l'angle de vue, normalement, ça devrait être bon s'il n'y a pas de personnel ennemi. Depuis la maison, ils sont 160. Par contre, au moindre contact, c'est. Faut tuer la maison, oui. Ouais, ça va être fou de merde. De toute façon, on est obligé, on a. Le problème, c'est qu'on est trop dans la merde la deuxième escouade. Ouais, mais on va pas attirer en requête. Faut attendre qu'ils se mettent en position et on va déjà se regrouper au niveau de l'église. Mon équipe, on se regroupe au niveau de l'église. Bible à sa côte paille. Ouais, je t'écoute la Bible. Vous êtes bientôt en position ou pas? Ça va être tentax de notre côté, mais on va faire au mieux. Ok, vous me prenez une position adéquate pour un assaut, mais on va tenter quelque chose aussi de risqué, les gars. Ok, c'est bien pris. On va avoir notre contact. Mais je pense que c'est le mieux pour les civils, parce que... ils peuvent peut-être les buter, donc... autant la jouer safe. Écoute, Bible. Vous êtes en position. Tant bien que mal. C'est oui ou non? Ouais. Ok, on va essayer de s'infiltrer. Si ça tourne au fiasco, je vous donne le top. Le nom de code, c'est
Coucou Zine. Ok, il y a un mec dedans. Il s'excite un peu. On se met derrière lui, on se met derrière lui. Et les civils à l'intérieur. Il est mort. Joarius, il y a un soldat qui est rentré près de la voiture noire. Deux la voiture noire repart. Ouais, le gars en voiture noire, ça a l'air d'être un collab, ouais. Il discute avec un garde. Faut que tu leur dises que ça risque de déclencher le bordel. Ok, les gars, vous êtes prêts ou pas? De notre côté, ouais. Faut qu'on équipe nos armes, par contre. Hein. Parce que là... T'entends un mur, on ne le relevait pas. Okay. Allez, à mon commandement. 3, 2, 1. Attends, on passe à droite. C'est parti. Allez, les gars, on mène l'assaut. On tue pour tirer, on tue pas les civils. Bah non, on évite de tuer les civils. Restez assez safe dans vos déplacements. Bonne chance, y'a pas de paille. Ah, vous aussi, on attend le coucou de chez nous pour attaquer. Hein. Il est pile en train de viser les civils, donc faut vraiment l'abattre en premier, le mec de gauche. Un béret, faut priorité exactement. J'ai celui de droite en tir direct à la tête. Lequel? Celui qui est dans le petit compartiment du hangar à droite. J'ai celui de gauche en visu, mais je sais pas s'il y a d'autres mecs dans le hangar. Il y en a un autre dans le hangar, ok. Il y en a un autre, j'ai son autre pied. Il y en a un juste à droite de la porte. Juste à droite, il est en train de bouger un petit peu, si vous pouvez l'avoir. Ok, pible à chapeau de paille, on donne l'assaut dans 2 secondes, dans 3 secondes. 3, 2, 1. Vas-y, on se débrouille. Allez, attaque les gars, attaque, tout le monde attaque. Vérifiez le hangar à droite s'il n'y a pas des hommes qui sortent. Deux contacts encore dans le hangar. Pour mon équipe, on s'excite pas tout de suite. Hein. Plus qu'un à traiter dans le hangar. Près de la porte. Je peux pas, il faut attaquer. Attends, c'est Tandax là. Attention, le mec près de la porte, il est juste sur ta droite. BTR en mouvement. Ok, on se déplace dans les bâtiments, on se cache dans les bâtiments. Récupère vite les AK là. Il y en a qui peuvent récupérer vite fait les AK et les gilets. Fermez les portes. Cassé, Julius, vous êtes où? La position du bâtiment. Ok, vous asmatez tout ce que vous voyez, les mecs, là, on attaque. Bien fait, c'est déjà commencé. Le mec avait pas de munitions. Dans son gilet, t'as regardé? Ouais. Putain, c'est quoi le génocide? C'est qui tous ces mecs? Nous, de notre côté, le bêta a bougé, on sait pas où il est parti. L'alarme est activée, hein, on entend d'ici. Bon, on a les civils. Ok, Raptor. Ouais. Il y avait 3 AK là. On voit que 2. Ok, dégage à la porte, dégage à la porte. Ok, bah en fait, ils ont pas ouvert la porte du tout. Un mec qui rentre. Un glitch. De la terre. Laissez-moi une AK, laissez-moi une AK. Omega à terre, Omega à terre, les gars. Omega à terre. Ceux qui sont dans le regard, on arrive là. Attention, il y a des mecs dehors. Tu veux que je prenne quoi? Ceux qui sont dans le hangar, faites gaffe, on est dehors. Affirmatif. Attends, go à terre dehors, faut que je récupère une AK. T'as dit, je tape pas. Vous avez une AK? Attention, il y en a encore un. Non, encore un. J'entends parler. Vous êtes dans le bâtiment à ma droite là. Juste devant. Non, c'est pas lui, non. Non, c'est un bug. Merci. Est-ce que t'es le GM? Ouais, je crois aussi. Miguel. Oh putain, le carnage. Les deux qui sont en hangar, vous restez dedans pour sauver les otages. Miguel, moi et le troisième, on rentre dans le bâtiment pour clean. Bien reçu. Tire de BTR, je crois. Ça m'a tiré dessus, donc je sais pas où ils ont eu l'angle.
Ok, attention. Il y a des morts ici. Il y a un commandant qui est mort ici. Prêt. Coup de feu derrière l'enceinte. Attention, le mec. Juste en garrotage, je ferme la porte. Je demande le grillage, Omega. Fais gaffe. T'as un visu ? Vous êtes au tour. Il est juste à droite. Là, juste à droite. Tiens, viens du blindé, c'est mettre des fumigènes. Si je bouge, il m'aligne parce qu'il m'a déjà en jeu. Mais attends, c'est quoi ? C'est le BTR ? C'est un AK. Non, il y a un AK. Il y a un homme dans le grillage. D'accord. Si tu te lèves toi de là et que moi je me lève aussi à droite, ça peut être faisable. Traité. Affirmatif. C'était quoi ça de l'autre côté, chapeau de paille ? Oula, il y a un BTR en mouvement dans la ville là. Faut qu'on aille leur prêter main forte. Oh là, il y a une balle qui a sifflé. L'entrée est presque dégagée. Non, c'est Omega, je crois. Non, je peux tirer. On avance. Cassif, fais gaffe, le BTR il est pour notre gueule. Hein. Bien pris, et on a eu où était l'extraction ? Par contre, Omega ? Ouais. Il y avait 4 soldats dans la ville, donc eux ils doivent pas être loin de nous, faut faire gaffe, s'ils se sont foutus dans la forêt, là on va avoir un putain de mal de chien. Bien. On essaie de tenir la position. Bah au moins, tant qu'on est ici avec les mecs dans le hangar, les civils sont en sûreté, donc... Ok. Les mecs, vous quittez pas le hangar, vous avez des AK ou pas les mecs dans le hangar ? Ouais. Ok, vas-y, rentre. Quand on trouve un moyen de s'extraire d'ici. Attention, il y a un blindé juste en bas de la rue là. Très bonne question, on faut repartir en camion, mais il y a des blindés qui bloquent le pont. Il faudrait qu'on parte vers où il y a le point regroupement et qu'on prenne la route et qu'on se tire loin d'ici. Nous on y est à côté du point regroupement. On a, enfin là j'ai le camion visuel. Ok, essayez de vous regrouper sur nous. Faites attention, il y a des hommes, on va essayer de bouger les otages au point regroupement. Et on retourne arrière. Ok, bien pris. Et vous êtes où à peu près ? Vers le point, tout simplement, otage. Ok, on le fait au maximum. Mais faut qu'on aille où ? Vers la base pour extraire ? Ben, base, faut qu'on fasse un détour, hein, ça va être risqué. C'est chaud ce qu'ils prennent là-bas. Ouais, enfin, n'empêche, ils ont quand même réussi à faire sauter là, les véhicules. Ouais, ils sont pas mal, hein. Des charges explosives. Miguel pour Omega. Ah, je dis, écoute, je suis bien sûr que tu puisses. Vous faites quoi là? Vous ramenez le recharge? On se donne rendez-vous vers l'Oural là. Mais ça nous, coupe encore là ou quoi? Pas des civils. Affirme, vu qu'on va les embarquer dans l'Oural, c'est trop risqué de les déplacer. Bien pris. Ça coupe encore le micro non, là non, ou quoi? C'est bon. On ramène le camion tout de suite, les gars. Miguel pour Omega. Ah, je dis, écoute, je suis bien sûr que tu puisses. Vous faites quoi là? Vous ramenez le recharge? On se donne rendez-vous vers l'Oural là. Mais ça nous, coupe encore là ou quoi? Pas des civils. Affirme, vu qu'on va les embarquer dans l'Oural, c'est trop risqué de les déplacer. Bien pris. Ça coupe encore le micro non, là non, ou quoi? C'est bon. On ramène le camion tout de suite, les gars. Ok les gars, on embarque les otages. Et on embarque les otages hier. Périmètre de sécurité, ceux qui embarquent pour les otages. Merde. Je monte à la place. Fais-le monter. Ok. Viens me loader juste en bas du pont, fire. Faites embarquer le prisonnier. Non, tu le poses, mais pose-le devant et tu fais embarquer après. Bon, les gars, on va prendre une route discrète pour c'est juste devant les gars. Allez, les gars, on se dépêche.
attention, l'hélico refait un passage. Non mais je t'ai dit de le poser, pose-le juste. On arrive dans le hangar. On tire pas. Hélicoptère de transport russe. Et ensuite tu vises, t'as juste à faire. Hop. Tu utilises Ace et tu fais embarquer. Ouais. Entrez, Yaya, entrez. Faites-moi un permis de sécurité tout le monde là. Charge le dernier prisonnier. Vas-y, voiture. Ah, je couvre la grosse entrée, t'inquiète, c'est qu'il y a rien qui arrive par la route. Tous les prisonniers à bord. On est paré à partir, Omega. Il va pas y avoir beaucoup de place. Ouais. Oui. Tout le monde rentrez. Un maximum rentrez un maximum. C'est moi qui conduis. Non, on a oublié des voitures. Celui qui conduit, laisse-moi. Ah mais il y aura plus de place dans l'Oural par contre. Hein. Vérifie, on sait jamais. Il y aura plus de place dans l'Oural. C'est la dernière. Deux places, encore une. Vas-y, Brie, tu remontes. Faut qu'on se dépêche. Ça se rapproche. Bon bah, finalement, c'est bon, ils s'occupent de bouffer. Et les squad 2, elle est où? Dans le camion. On est là. Sérieusement, il y avait suffisamment de place? Pile poil. On n'a pas de point d'extraction, donc on va essayer de se mettre en sécurité. On a réussi à saboter la fête. Voilà. Fallait demander. Bah bien joué les gars, c'était plutôt propre. GG les gars.